Bravo, big time, composition originale, vraiment Jason Mraz, toute cette espèce de vibe beach, it's nice, right? Là, on se retrouve avec, là, we're all good, we're all good, speak into the mic. Alors là, on se retrouve avec vraiment deux autres de mes coups de cœur, deux femmes extraordinaires de la région. Ouais, vraiment, non, pour de vrai, Nat Farley, je t'aime, Roxane Garceau, je t'aime. Ces deux filles-là, écoute, ils m'ont épaté pour différentes raisons. Roxane en particulier, mais c'est sa voix, c'est sa présence, c'est ce qu'elle dégage, en particulier quand elle chante. Là, elle va tout être gênée, mais c'est pas grave, elle m'en fait. Et puis, Nat Farley, qui est... You're a lyricist. Ben, auteur, parolière. Ouais. C'est important de comprendre dans le processus créatif, artistique d'un artiste musical. Bon, on n'écrit pas toujours nos propres tunes. Où on écrit nos tunes, mais on utilise des paroles d'autres personnes. On a des paroliers, des parolières. Ouais. On peut écrire. C'est une fonction importante dans le développement de la musique. Là, vous, en particulier, vous m'avez, disons, foudroyé avec plusieurs chansons, mais une en particulier que vous allez faire ce soir et que Roxane va faire certainement le 9 septembre. Et l'avenir de la carrière de Roxane, je suis sûr que cette chanson va être absolument foudroyante pour tout le monde, autant que ça m'a foudroyé. Là, je voulais vous parler, on est au Lurcher, c'est open mic. Je vous ai vu ici. Bon, Nat, tu chantes pas, mais on vient encourager à boire de la Guinness. Pas dans un pub irlandais. Malgré qu'elles n'ont plus à soir, je dis ça de même. Puis, c'est vraiment dans ce contexte-là très organique de Saint-Sauveur qu'on arrive à découvrir du nouveau talent. Tout à fait. C'est aussi dans ce contexte organique-là qu'on arrive à se développer comme nouveau talent. Mm-hmm. Je pense que c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi Ryan Kennedy, encore une fois, joue encore ici. Il n'y a pas besoin de jouer dans un petit bar, mais il aime ça. Il nous l'a dit dans l'entrevue, il va continuer. Il fait partie de la famille, essentiellement. C'est son bureau, en fait. Il dit qu'il travaille ici à tous les jours parce que c'est son bureau. Oui, c'est sa deuxième maison, je pense, en fait. Oui, c'est ça, mais exactement. Puis bon, il y a Nat qui fait des barbecues fantastiques et des cook parties où tout le monde dans le inn se ramasse. Ah, oui. Alors, c'est vraiment ça, j'ai découvert ça. Roxane, donc toi, tu as un chemin. Avant qu'on entende ta prestation de la toune, tu as un cheminement quand même vraiment intéressant. T'es jeune encore, mais déjà à ton âge, t'as fait quand même plusieurs affaires, t'as fait partie de d'autres concours où t'as gagné des trucs. La télé ne t'est pas, disons, c'est familier, right? Ça commence, ça commence à être familier. J'ai un peu plus à l'aise. C'est sûr, c'est tout une autre bête. Ouais. Mais quand même, parle-nous donc un petit peu un petit peu ton cheminement. Tu viens de Saint-Dona. Ça fait longtemps que tu viens d'une famille. Je sais que le country était super important dans ta famille. Puis là, t'es plus que la country girl. Raconte-nous donc ça un petit peu. Moi, je suis née à Saint-Dona. Du côté de ma mère, c'est des Gaspésiens. Donc, chez nous, ça a toujours été le gros party avec musique country et tout.
Mon père jouait du piano, il chantait, il jouait à l'oreille. Il n'a jamais su lire la musique. Ma mère, elle a toujours chanté. Puis je suis la première, dans le fond, qui fait vraiment de la musique dans ma famille professionnellement, si tu veux. Puis mon père m'a acheté ma guitare, j'avais 14 ans, je pense. J'ai commencé à gratter, jouer à l'école. Et à 20 ans, j'ai passé à l'émission, justement, On connaît la chanson. Exactement. Puis à 21 ans... Je l'ai regardé récemment. J'étais ébahie. J'étais époustouflée. Allez pas regarder ça. J'étais époustouflée. Puis à 21 ans, j'ai commencé... Là, il y a une historie de ta guitare. Celle-là, ma guitare à moi, oui, je l'ai. C'est le chanteur Paul Darèche, au fond, qui me l'a donné. Oui. Un grand honneur, c'est cool. Moi, c'est un de mes idoles. Hein, On le salue. Salut, Paul. Puis c'est tout. Sinon, j'ai fait les restaurants l'été, je chantais depuis que j'ai 21 ans. Puis là, ça fait vraiment un an que je le fais à temps plein, là, musique dans les bars et tout. Mais t'as beaucoup... J'ai vu... ça fait quand même à peu près ce temps-là que je vous connais. Et puis, peut-être deux ans, mais dans la dernière année en particulier, moi, je suis témoin de l'évolution. Moi, ça m'époustoufle. Le processus créatif, ça qui m'allume, c'est ça que j'aime documenter. Alors là, donc, c'est un autre exemple d'un artiste qui fait des covers souvent mieux que les artistes originaux. Vraiment, dans mon... ça, c'est une autre histoire. C'est vrai. Je parle de Strawberry One en particulier, que vous allez entendre. Je vous le promets. Mais peut-être pas à soi. c'est ça, donc... Évolution, puis là, tu rencontres Nat. Raconte-moi un peu cette rencontre-là pour qu'on puisse parler de l'impression de Nat sur toute cette affaire-là. Comment tu as rencontré Nat? Puis c'est quoi le. Comment c'est arrivé cette affaire-là? Je dois vous avouer qu'on était assez avancés dans la soirée. On était au bulldozer. C'est un code pour. C'est un code pour. Puis les gens me l'ont présenté comme ça, mais je savais pas que tu écrivais, je savais rien, personne ne m'a rien dit, puis je te trouvais super sympathique. Ça faisait une ou deux fois qu'on se voyait, puis à un moment donné, tu m'as dit... Je t'ai invité chez moi. Comme ça, on se connaissait pas du tout. Je suis allée chez vous passer une journée, tu m'as montré des chansons, puis une en particulier. Tu m'as fait choisir entre deux chansons. Je t'ai fait choisir une ou deux, deux ou trois. Il y en a une qui t'a vraiment accroché. Mais les paroles, écoute. Parce que ça te rejoignait en quelque part dans... Mais c'est l'histoire de ma vie, là, Exactement. Ouais. Fait que tout de suite, je l'ai prise, j'y ai volé, puis en travaillant avec elle, bien, on l'a mis à ma sauce, puis là, c'est vraiment, c'est sa chanson, mais c'est rendu un peu une partie de mon cœur aussi. Oui, mais c'est ça, justement, mais c'est une des tunes que tu fais qui me fait littéralement brailler comme un bébé. Moi aussi, Oui, elle fait pleurer beaucoup de monde, en effet. Parce que c'est un peu universel, c'est quand même, pour moi, c'est quasiment de la mythologie. Bien, tu sais, quelque part, c'est pour ça qu'on écrit, c'est pour aller rejoindre des gens, c'est pour aller les toucher. Oui. Ça a touché Roxane. Oui. C'est elle qui la chante, ça lui ressemble. Ouais. C'est parce que ça peut ressembler à un paquet d'autres personnes aussi, là, tu sais. L'écriture, ça sert à ça. Ça sert à faire réfléchir des gens, à les faire ramener des souvenirs, des bons, des moins bons, mais ça rejoint les gens. C'est ça qui est important. Est-ce que c'est ton but, toi, Nat, quand tu écris, je veux dire, tu t'inspires de l'éther. Je t'ai vu dans ton processus créatif, tu as une page blanche. Soudainement, il y a des mots. Ouais. Là, ces mots-là ont une résonance avec les musiciens. Tout m'inspire, en fait. Ça peut partir d'une image, ça peut partir d'une émotion, ça peut partir d'une personne, une situation. C'est comme le noyau, tu sais, de partir un texte de chanson. Puis après ça... C'est de travailler pour en faire, parce que c'est une chanson, en fait, c'est une histoire. Fait qu'il faut que ce soit concis, il faut que ce soit, faut que les gens soient capables de la capter au premier abord. Ouais. Et puis, c'est ça. Puis ensuite, c'est d'aller chercher l'artiste que tu penses qui est capable de se l'approprier. Oui. Il y a ça aussi. Oui. Parce que c'est pas toi la chanteuse ni la musicienne. Non. Puis, tu travailles avec Carrie. En fait, comme la chanson de Roxane, Rock and Brussels, c'est une chanson que j'ai faite, j'ai écrit le texte. Et c'est Carrie Bulis qui que le monde connaît parce qu'il vient souvent ici dans le coin. Oui. C'est le guitariste occasionnellement de Ryan Kennedy, puis il avait participé sur l'album de Ryan aussi. Entre autres, et Roger Beaulieu. Tu parles d'écosystème, puis c'est vraiment ça. On n'a pas besoin d'aller chercher très, très loin pour avoir
un talent brut, là, un talent, là. Puis ça devient une famille, ça devient, on est vraiment tissé serré, tu sais. Oui, on est vraiment tissé serré. C'est ça qui est beau. Puis ça, ben moi, ça m'aide encore plus dans mon processus, que ce soit que j'écris pour Victor, pour Roxane, pour Louise, pour Ryan. On se connaît. Oui. On connaît nos vibes. Oui. Moi, en tout cas, c'est sûr que je pars de ça. C'est ma base. Ouais, c'est ma base pour partir. Mais c'est quand même trippant que tu as cet accès-là, ces musiciens-là qui te font confiance. Ah, tout à fait. Puis là, soudainement, tu sors des textes. Et ça va être cool pour toi de voir tes mots prendre forme et prendre vie. Tout à fait. C'est parce qu'il y a émotif, deux ans, right? Je ne connaissais pas. Ben, Ryan, je connais depuis longtemps, mais il y a deux ans, je ne connaissais personne de ces gens-là. Puis c'est tous et ça. Tous et chacun. C'est des coups de cœur. Ouais. Et puis, je me promenais partout. J'allais écouter Selby, tout le monde, motel. Puis, écoute, j'étais à fleur de cœur. Puis, je me disais, oh, moi, là, j'écris. J'écris pour eux autres. Puis, c'est comme je disais tantôt, t'as pas besoin d'aller chercher la star. T'as pas besoin. On a un talent. Ouais. Le talent, ici. C'est fou. Le talent incroyable. Est fou. Mais c'est fou. C'est un peu mon observation, c'est que. Avec toute la thématique d'un talent émergent, tout le monde essentiellement est émergent, nous sommes tous émergents. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'en se rassemblant ensemble, c'est un peu le but du happening, c'est de disons, mettre la lumière sur le fait qu'ensemble, on peut mieux émerger ensemble. Oui, tout à fait. C'est super. Oui. Écoute, avec ça, merci mesdames, vous êtes merveilleuses, je vous adore. On va écouter Roxane Garceau faire en prestation live, donner vie aux paroles de Nat Farley, Drunk in Bissau. Merci. Ton beau bijou. J'espère que je vais lui rendre honneur. Go, you've been out every night. Did you lose your key to your old life? Drinking whiskey and smoking cigars. At the end of the night, you're asleep in your car. Where are you now? You can't stay still. You're fooling around like some wasted old. Feel you're in denial, you're drunk and imbecile, yeah, yeah.
You've been out every night. Did you lose your key to your fatherhood's life? Merci. Merci. Merci.